Bonjour, bienvenue au Centre des Écrits de Montréal et bon sabbat à tous. C'est un plaisir de vous revoir ce matin. Au Centre des Écrits, nous saluons aussi ceux qui nous reçoivent en ligne, donc sur le site internet du Centre des Écrits. Juste quelques rappels concernant le masque. On vous rappelle que quand vous êtes assis, vous pouvez enlever vos masques. Par contre, si vous voulez chanter avec l'équipe de louanges, il faudra le mettre. Et aussi, si vous vous déplacez, donc il faut en tout temps donc porter votre masque. Ce sont les consignes de la santé publique. Si vous avez un cellulaire, on vous demanderait s'il vous plaît de le fermer donc pour éviter les distractions pendant le culte. À partir du sabbat 12 septembre, donc dans 2 semaines, le culte va commencer à 10h30 au lieu de 11h. Donc, on va revenir à l'heure normale d'avant la pandémie. Donc, si vous assistez à l'école du sabbat à l'étage, donc ça va toujours commencer à 9h30. L'école du sabbat va commencer à 9h30. On va finir à 10h15 au lieu de 10h30. Et le culte va commencer à 10h30, 15 minutes après. Donc, école du sabbat, 9h30 pour 10h15. Et le culte commence à 10h30 à partir du sabbat 12 septembre. Aujourd'hui, pour la prédication, nous recevons le frère Éric Hermans, qui nous vient de l'église de Granby. Le frère Hermans, c'est le frère de Jean-Jacques Hermans, qui prêche ici, donc au Centre des Écrits de temps en temps. Donc, nous avons le plaisir, la joie de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et on prie que Dieu mette son onction sur lui, afin qu'on soit béni par le message qu'il va apporter. Donc, on vous demande de vous prédisposer à louer Dieu, l'équipe est déjà en place. Donc, bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. Rentrer à la présence de Dieu. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue au Centre, il est écrit. Je vous partage une expérience. Ce matin, j'étais bien disposé. Pas ce matin, en fait, durant la semaine. Ce matin, je suis toujours bien disposé, mais durant la semaine, un matin, je me suis levé tôt.
Et puis, j'avais le goût de lire le livre d'Ésaïe. Il y a plusieurs passages dans le livre d'Ésaïe qui m'interpellent. Puis finalement, je commence avec le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Puis là, j'ai arrêté de lire, j'ai dit, bon, c'est quoi, il y a quatre rois. Ésaïe a commencé à lire, à présenter sa parole, c'est-à-dire à prophétiser, au temps de quatre rois. Puis finalement, en cherchant dans la Bible, j'ai trouvé ces quatre rois-là dans le deuxième livre des Chroniques, à partir du chapitre 26. Chapitre 26 au chapitre 33, on parle de ces quatre rois-là. On parle premièrement de Ozias. Puis dans tous les cas, c'est toujours pareil. On dit, par exemple, dans le cas d'Ozias, au 2 Chroniques 26, verset 4, « Il fit, Ozias, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Puis il dit, « Ah, c'est intéressant. » Je me demande si tous les rois ont fait pareil. Parce qu'il y a quatre rois. Alors, tout d'abord, Ozias fit ce qui est droit aux yeux d'Éternel. Et puis, est-ce que vous pensez que toute sa vie, il a resté droit aux yeux d'Éternel? Peut-être. La parole de Dieu dit au verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Ah! C'est donc plate que finalement, tu as un roi qui commence bien et qui finit mal. Puis Jotham, lui, qu'en est-il de Jotham? Alors, Jotham, au chapitre 27, Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il a régné 16 ans. Au verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Et puis, est-ce que ça a perduré? Ça a perduré. Il n'y a aucune mention de... Il y a sûrement eu des égarements, mais pas d'égarements majeurs, au point même qu'on l'a enterré avec tous les autres rois d'Israël. Après ça, il y a eu Akaz. Akaz, est-ce qu'il a été droit? Pardon? Akaz. A-C-H-A-Z. On peut l'appeler Achaz. En général, le C-H, on fait qu'on dit Akaz. Alors, lui, il avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et puis, est-ce qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Non, hein? Akaz, on le connaît. Lui, il a fait ce qui est croche. En fait, la Bible ne dit pas qu'il a fait ce qui est croche. La Bible dit, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et puis, finalement, ça a mal été pour lui. On ne l'a pas enterré avec les autres rois, tellement que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait. Puis, finalement, il y a eu Ézéchias, le quatrième roi que Ésaïe dit, c'est de ce temps-là que moi j'ai écrit. Et puis Ézéchias, c'est de lui que j'aurais voulu vous parler ce matin. Parce qu'Ézéchias, son histoire est un petit peu particulière. Tout d'abord, Ézéchias a bien commencé au chapitre 29 de la deuxième lettre de Chronique. C'est écrit, verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. » Wow! Et puis, quand on lit, là, il y a plus de matériel. Là. On a deux, trois chapitres. Il a réparé les portes de la maison de l'Éternel. Il a invité les dirigeants religieux, à savoir les lévites, les sacrificateurs, à se sanctifier. Il a dit, « Sortez du sanctuaire tout ce qui est impur. Cessez d'être négligent. » Ça a pris 16 jours de réforme. Ils ont tout nettoyé le temple. Ils ont tout fait ça beau. Et puis, après avoir purifié toute la maison de l'Éternel, le roi se leva de bon matin. Notre premier ministre se leva de bon matin, comme ce matin. Assembla les chefs de la ville, tous les dirigeants de Montréal, civils de Montréal, et monta à la maison de l'Éternel. Faire un tour ici où ça est écrit. Tout ce beau monde vient offrir des animaux en sacrifice
pour le pardon de leurs péchés. Et puis, ça continue dans 2 Chroniques 29, 25 à 30. Le roi fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et du prophète Nathan, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par l'intermédiaire de ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias dit qu'on offre l'Holocauste sur l'autel, et au moment où on commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel, avec les trompettes et l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta le cantique et l'on sonna des trompettes. Le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les ministres dirent aux Lévites de louer l'Éternel. Avec les paroles de David et du voyant Asaph, ils louèrent avec des transports de joie, se courbèrent et se prosternèrent. Je vous invite à vous lever. Ben oui, je vous parlais d'Ézéchias. Il y a beaucoup d'autres bonnes choses qu'il a accomplies, comme nous le rapporte le deuxième livre de Chroniques. Tout d'abord, dans 2 Chroniques 31, verset 20-21, c'est bien écrit. « Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. » Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu
pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Puis dans l'histoire d'Ézéchias, il a vécu cette expérience difficile de l'assaut du roi d'Assyrie qui est venu avec sa grande armée et a envoyé une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant que si les dieux des autres nations n'avaient pas pu délivrer leur peuple de sa main, du roi d'Assyrie, qu'est-ce que tu penses, toi, Israël? Penses-tu que ton Dieu va pouvoir te libérer? Et puis, finalement, au verset, dans 2 Chroniques 32, versets 20 à 23, il est écrit, « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi fut confus. Le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient dans ses entrailles, sortis de ses entrailles, ses enfants, le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la maison de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Par reconnaissance, beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. » Wow! Après, c'est arrivé au roi d'Assyrie qui avait détruit toutes les nations, puis que là, finalement, Ézéchias lui avait tenu tête, puis finalement, ce n'est pas vraiment lui. C'est après la prière avec Ésaïe que Dieu a détruit l'armée, que finalement, Ézéchias était maintenant reconnu à travers toutes les nations. Au verset 24, il est écrit, dans 2 Chroniques 32, verset 24, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. » On peut lire ça dans 2 Rois, les détails rattachés à ça, que je n'irai pas là-dedans. Puis au verset 25, « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Si beau succès pour finalement oublier Dieu. Mais, au verset 26, il est écrit, « Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. » Éternel, aie pitié de nous.
Oui, Ézéchias s'est humilié. Et je pense que c'est bien de reconnaître nos fautes, de reconnaître nos erreurs. Et donc, quand on connaît Dieu, finalement, on a des bons moments, on se réjouit avec lui, parce que c'est qu'on est reconnaissant de ses bénédictions. Puis quand on fait des gaffes, ben, Dieu nous invite, puis il nous accepte quand on vient à lui, puis qu'on reconnaît nos fautes. Ézéchias a été un grand réformateur de son temps. Il est écrit dans 2 Chroniques 31, les versets 2 et suivants. Ézéchias plaça les sacrificateurs et les lévites d'après leur classe, chacun selon son travail. Sacrificateurs et lévites pour les holocaustes et les sacrifices, de communion pour le service, pour les célébrations et la louange aux portes de camp de l'Éternel. Il dit au peuple et aux habitants de Jérusalem de donner la part des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils ne restent fermes dans la loi de l'Éternel. Lorsque cette parole fut répandue, les Israélites donnèrent en abondance les prémices du blé, du vin nouveau, de l'huile, du miel et de tous les produits de la campagne. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme du tout. De même, les fils d'Israël et de Juda, qui habitaient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et de la dîme des choses saintes, qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont ils ont fait plusieurs tas. On fit plusieurs tas des dîmes et des offrandes qu'avait apporté le peuple pour le service du sanctuaire. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu est invité à apporter la dîme de tout pour le service du sanctuaire et des responsables qui œuvrent la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, présent et à venir. Habituellement, on recueille vos dîmes et offrandes, mais pour respecter les consignes sanitaires et éviter le va-et-vient et les risques de contagion, on vous demande de les remettre à la sortie après le culte, tout en respectant les consignes de distanciation. Je vous invite à vous lever pour ce chant où Dieu nous invite à ce qu'il soit pour nous notre ancre et notre voile. Qui a fixé la cour des étoiles.
Je te remercie, Papa, pour la santé que tu nous donnes, les forces que tu nous donnes, pour vivre ici-bas, dans l'adversité, être une lumière autour de nous, avec le sel de la terre. Merci pour toutes les capacités que tu nous donnes, afin qu'on puisse gagner notre pain. Travailler. Et merci pour les parents que tu nous donnes qui s'occupent de nous. Et merci pour les facilités de ce pays de liberté, les ressources, l'accès aux ressources. Veuille, Seigneur, recevoir nos dîmes et offrandes. Et puisses-tu recevoir aussi, surtout, l'offrande de notre cœur. Qu'on puisse te donner nos vies. Et qu'en retour, Seigneur, tu puisses faire éclater ta gloire dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend. Dirige-nous dans les voies éternelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, on va avoir la parole de Dieu présentée par notre frère Éric. Et j'aimerais juste mettre la table en chantant ce chant qui nous parle de la parole de Dieu sur laquelle s'appuie notre foi. Tu rêves.
D'abord, je veux souhaiter à tous la bienvenue au Centre Idées d'écrire à Montréal. Je veux remercier Claude et les responsables ici de m'avoir donné l'honneur de pouvoir venir partager la parole avec vous ce matin. Effectivement, comme on vous a dit, moi je suis le fils du pasteur Hermans et je suis le frère de Jean-Jacques Hermans. On me connaît moins. Je suis le moins connu de la famille parce que je suis en général à l'extérieur dans les petites églises loin de Montréal pour aller prêcher et aider nos petites églises. On m'a demandé de vous rappeler une chose. Quand vous êtes assis, vous pouvez enlever le masque. Quand vous vous déplacez, le remettre tout simplement. Baissons la tête. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir venir dans ta maison partager ensemble ta parole ce matin. Seigneur, nous te demandons simplement d'ouvrir nos esprits et nos cœurs, de laisser ta parole pénétrer et de nous permettre de mieux te comprendre, de mieux saisir ce que tu nous enseignes et une fois que nous sortirons de ce lieu, de pouvoir nous sentir encore un peu plus proches de toi. C'est tout ce que nous te demandons ce matin, au nom de Jésus, pour ta gloire. On est dans des périodes difficiles, avec cette pandémie, avec tout ce qui se passe à travers le monde. On m'entend? Okay. Avec toute cette pandémie, tout ce qui se passe dans le monde. Et quand on était à la maison, confiné. Bon, moi, j'ai un bureau de comptable. Alors, malheureusement, je n'étais pas confiné, je n'ai pas eu de vacances. J'étais obligé de travailler. Je faisais partie des services essentiels. Mais pendant cette période, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais à travers l'Amérique du Nord, le livre le plus acheté a été la Bible dans les 3 derniers mois. Plein de monde qui, à un moment ou l'autre, n'était pas du tout intéressé à la Bible ou à quoi que ce soit, ou à Dieu, se sont trouvés frappés par cette pandémie, par ce mal qui se répand un peu partout. Et ils se sont tournés vers la Bible pour la lire, tout simplement. Dieu nous parle. Il nous parle par le Saint-Esprit, mais il nous parle par sa parole. Et alors, ce qui est important, et pendant ces 3 mois que j'étais un petit peu à la maison de temps en temps, je me suis dit, mais lire la parole de Dieu, c'est bien, mais comment est-ce qu'on doit la lire? Comment est-ce qu'on doit se présenter, étudier cette parole? Et c'est pour ça que le titre aujourd'hui, c'est « La parole de Dieu interprétée correctement ». Et le texte se trouve dans 2 Timothée, le chapitre 2 au verset 15. 2 Timothée, chapitre 2 au verset 15, où Paul est en train de parler à Timothée et il lui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Pour étudier, que ce soit la parole de Dieu ou que ce soit n'importe quel livre ou n'importe quel sujet à travers notre vie que nous allons nous trouver devant, les maths, l'histoire, n'importe quoi, il faut comprendre. On ne peut pas juste arriver et puis me donner un livre de mathématiques, je le lis, je le ferme, puis je suis devenu docteur en mathématiques. Si je n'ai pas compris, si je n'arrive pas à comprendre l'essence même des mathématiques, je ne m'en sortirai pas. Même chose avec l'histoire. N'importe quel livre que nous lisons, il faut absolument qu'on arrive à saisir. Et ce qui est important ici, quand on lit la Bible, c'est qu'on doit comprendre les différents types de littérature, ou ce qu'on veut appeler aussi les genres qui sont utilisés. Et que chaque fois qu'on lit, s'il est historique, ce n'est pas la même chose que s'il est prophétique. Et il faut arriver à faire une différence de ça. Dans cette étude, on va aujourd'hui se concentrer à lire la parole de Dieu correctement pour que nous puissions comprendre le message.
Nous devons avoir une compréhension claire de la parole de Dieu avant que nous ne puissions l'appliquer correctement à nos vies. C'est important. Je vais vous donner un exemple. J'ai une maîtrise en histoire de l'Antiquité. Okay. Quand j'étais à l'Université de Montréal, mon professeur, il était en avant, il avait un immense bureau, et il avait un livre. Il avait un livre sur sa table. Vous savez quel était ce livre ? La Bible. Pour lui, ce docteur en histoire, la Bible est le meilleur livre historique qui existe dans le monde. C'est dans la Bible qu'on va retrouver, par exemple, un des seuls endroits. Aujourd'hui, bon, on a trouvé des traces basées sur l'histoire de la Bible, mais pendant très longtemps, les historiens disaient que la Bible n'était pas valable parce que la Bible parlait des Hittites et que c'était faux, il n'y avait aucune trace d'eux dans le monde. Aujourd'hui, en 2020, on les a retrouvés, les Hittites, on sait exactement où ils étaient, et ainsi de suite. Et ce professeur avait ce livre sur son bureau et il nous enseignait l'histoire de l'Antiquité basée sur ce livre. Il n'a jamais compris Dieu. Il n'a jamais saisi Dieu. Il n'a jamais réussi à comprendre que ce livre, ce n'est pas simplement un livre d'histoire, mais c'est que ce que Dieu veut nous enseigner dans notre façon de vivre pour que nous ayons un jour la possibilité de partager cette maison ou ce ciel qui nous a prévu, qui nous a préparé. Il n'a jamais saisi ça. Et j'ai appris il y a une dizaine d'années qu'il est décédé. Et il est décédé toujours en lisant sa Bible pour montrer que l'histoire, elle était là, que l'archéologie était basée sur cette Bible. Donc, on doit comprendre la parole de Dieu pour que nous puissions l'appliquer dans nos vies. Parce que si on prend cette Bible, ce livre, comme étant un livre d'histoire, on ne va jamais appliquer dans nos vies ce qu'on y trouve. Le fait de reconnaître les différents types ou différents genres utilisés dans la Sainte Écriture et la lecture de chacun de ces genres va nous aider, nous aideront en conséquence, à interpréter la parole de Dieu correctement, la comprendre clairement et tout ce qu'il y a de plus important, à l'appliquer correctement dans nos vies. Alors, si on reprend 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, mais on va lire juste la première partie, donc le verset 15, partie A, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, regardez ce que Paul dit. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Donc, l'interprétation correcte des Saintes Écritures commence par un cœur droit. Paul écrit à Timothée, son fils dans la foi, et à ce moment-là, jeune pasteur de l'église d'Éphèse, et il commence en lui disant d'être diligent, de s'efforcer de se présenter à Dieu comme celui qui est éprouvé, c'est-à-dire celui qui a été évalué, constaté pur comme du métal. On ne peut pas prendre la parole de Dieu et la lire comme le dernier roman policier qu'on a lu il y a quelques instants avant. Ça ne changera rien dans nos vies. Nous devons nous présenter en lisant la parole de Dieu d'un cœur pur, droit. Et il lui dit, si tu vis d'une telle manière, tu n'auras aucune raison d'être honteux. Il y avait, dans l'église d'Éphèse, à ce moment-là, autour de Timothée, plusieurs personnes qui avaient des raisons d'être honteux, d'avoir honte de lire la parole de Dieu. Ils avaient été évalués et ils avaient été trouvés. Comment ? Pas bon, ils avaient été trouvés pas assez pour pouvoir comprendre. Ils avaient été trouvés manquants de foi. Il y avait aussi certains qui pensaient qu'à eux-mêmes.
indigne, merci. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ils étaient, pour eux, ils lisaient la parole de Dieu pour montrer qu'ils avaient raison. Pas pour suivre ce que Dieu leur demandait, mais pour enseigner ce que eux voulaient. Il y en avait d'autres qui étaient dans l'erreur dogmatique ou dans l'argumentation. La seule raison pour laquelle je prends la Bible, c'est pour montrer que vous avez tort. La Bible n'est pas faite ou écrite pour montrer que X ou Y a tort. Elle est là pour moi, pour me changer. Il y en avait d'autres qui utilisaient la Bible pour simplement dire aux autres, à ceux autour d'eux, ce qu'ils avaient envie d'entendre. C'est drôle, hein? Ça se passe au temps de Paul et de Timothée. Mais si on regarde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2020? Souvent, la même chose. Combien d'églises aujourd'hui, combien de groupes, c'est pas grave avec lesquels on appartient, mais combien de groupes essayent d'enseigner, mais ils arrangent la parole de Dieu pour que les gens qui écoutent, on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Pas ce que la parole dit, ce que les gens ont envie d'entendre. Fait qu'à ce moment-là, on peut dire, oh, nous, on est un grand groupe, on est nombreux, on est ci et ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande. L'engagement de Timothée à Christ était d'être inculqué dans la foi en Christ, comme nous devons l'être. Quand c'est le cas, quand notre vie, notre foi est imprégnée en Christ, les expériences de nos vies servent à ce moment-là à démontrer que nous sommes en Christ et à démontrer que nous avançons. Quand nous nous efforçons de marcher par la foi en Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit, nos vies seront approuvées par Dieu et nous n'aurons pas besoin d'avoir honte. Je ne veux pas de réponse, mais je poserai une question, je le pose partout où je prêche, je vous poserai une question. Honnêtement, et encore une fois, pas de réponse ici, ok? Vous posez la question. Combien de fois on arrive, on prend la Bible et on a honte de l'ouvrir et de la lire parce qu'on sait, on a l'impression qu'on n'est pas prêt. On a l'impression qu'on n'est pas... Non. Ou alors le soir, moi j'ai des jeunes des fois le soir, je leur parle, je fais les cours et tout ça avec eux, et ils me disent, mais tu sais là, pendant la journée j'ai fait des erreurs, moi quand j'arrive le soir puis que je vais me mettre à genoux, je ne suis pas capable de prier, j'ai honte. Est-ce que Dieu s'attend à ce qu'on soit parfait 24 heures sur 24? Non. S'il avait voulu qu'on soit parfait 24 heures sur 24, il aurait fait de nous des robots. Il nous a fait humains et il nous a fait avec la possibilité de choisir, de faire des erreurs ou de ne pas faire les erreurs. On a le choix. Ça fait que le soir, quand on arrive ou au moment où on étudie la parole, c'est à ce moment-là qu'il faut que notre cœur soit pur, se mettre à genoux, prier et demander à Dieu, « Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait aujourd'hui, pardon pour les erreurs, pardon pour mon manquement, mais j'aimerais mieux comprendre. » Et là, on ouvre la Bible. Et non pas avoir honte, parce que si on a honte et qu'on la laisse de côté parce qu'on a honte, le lendemain, on a un peu plus honte, le jour d'après, encore plus, et 2 ans après, il y a ça de poussière dessus parce qu'on ne l'a jamais ouverte. On va voir dans un instant, un peu plus tard dans la présentation, par le fait que nous interprétons correctement ou appliquons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous un cœur qui est disposé à interpréter la parole de Dieu correctement? Avons-nous un cœur qui est complètement abandonné à Christ, marchant dans le pouvoir et mené par le Saint-Esprit? Je ne dis pas avons-nous un cœur parfait. Je demande simplement avons-nous un cœur abandonné à Christ et au Saint-Esprit pour avancer? Il est celui qui nous a donné, qui nous a pas donné, pardon, seulement sa parole,
mais qui nous permet de comprendre sa vérité. Dieu est tellement amour, il est tellement prêt à nous aider, que non seulement il nous a donné la parole pour nous permettre de la comprendre, de la lire, mais il nous a donné tous les moyens pour pouvoir la comprendre. L'interprétation des Saintes Écritures exige ensuite une bonne approche. Et ça, c'est la partie toujours dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15, la partie 2. Pardon. Un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Puisque d'autres dans Éphèse, dans l'église d'Éphèse, n'interprétaient pas ou n'utilisaient pas les Écritures convenablement, Paul, en interprétant correctement le mot de Dieu, a averti Timothée, divise correctement le mot « vérité ». Si vous traduisez directement du grec le « divise correctement », ça veut dire « de couper en route droite ». Ok, lequel d'entre vous va aller de Montréal à Québec en passant par Toronto? S'il y en a un de vous, ben, je vous dis, moi je suis nouveau au Québec, je ne connais pas, comment je me rends à Québec? Ah oh, ben tu prends la 40, tu t'en vas sur Ottawa, Toronto, puis tu reviens par l'autre côté. Les gens autour vont le regarder en disant, non mais, il y a un problème. Pardon? Il ne connaît pas la route. Et c'est ce qui se passe. Christ nous dit, divise correctement le mot de vérité, c'est-à-dire donne-le, coupe-le en route droite. Christ ne prend pas des chemins tortueux. Christ nous donne des écritures qui sont droites. Allons-y, droit. Pas besoin d'aller... on va d'abord passer par lui, puis après ça, on va aller là, puis après ça, on va revenir là, puis finalement, on va se rendre au ciel. Non, allons-y tout droit. Est-ce que c'est le chemin le plus facile? Peut-être pas. Est-ce que c'est le chemin le plus difficile? Sûrement, mais il est droit. Est-ce que vous savez que cette phrase « divise correctement », qui veut dire « couper en route droite », est utilisée seulement deux fois dans la Bible? Une fois ici, dans Timothée, dans le Nouveau Testament, et une seule fois dans la version grecque de l'Ancien Testament, dans les Proverbes, le Proverbe 3 au verset 6, où Dieu dit « Coupe un sentier droit pour ceux qui marchent fidèlement dans ses voies. » Le Seigneur coupe un sentier droit pour ceux qui marchent correctement dans ses voies. Donc, comment pouvons-nous diviser correctement le mot de vérité, la parole? Évidemment, la plus grande exigence pour le faire doit dépendre du Saint-Esprit pour nous mener et nous guider dans toute la vérité. Si nous ne sommes pas capables d'écouter le Saint-Esprit, nous ne comprendrons pas. Il faut qu'on trouve. Mais maintenant, le problème qu'il y a... Ok, je vais voir si on se suit. Je dois lire la parole de Dieu, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour la comprendre. Comment je fais pour avoir le Saint-Esprit? Qui répond? La prière, demander, quand on prie, on demande le Saint-Esprit, et puis? Oui? Et lire. Il faut qu'on lise. D'accord? Donc, il y en a qui vont se dire, bon, ben moi, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, donc je la mets de côté, ma Bible, j'attends d'avoir le Saint-Esprit pour la lire. Le problème, c'est que le Saint-Esprit ne viendra jamais tant que vous ne l'aurez pas lu. Et tant que vous ne la lisez pas, vous ne l'aurez pas. Il faut agir, tout simplement. Il faut lire la Bible, prier, et le Saint-Esprit va venir. Et si on se met à lire la Bible avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un cœur bien disposé, un cœur pur, le Saint-Esprit va nous répondre, il va nous aider à comprendre. Donc, tout d'abord, mais maintenant, quelles sont les mesures pratiques que nous pouvons employer, puisque nous cherchons l'aide du Saint-Esprit et ses conseils? Alors, premièrement, on doit considérer le contexte. Une des questions importantes dans l'interprétation correcte de la Bible, c'est le contexte.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont importants à réfléchir ici. Il y a le contexte immédiat. Vous avez certains passages dans la Bible qui sont là pour des événements qui se sont produits à ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive dans ce verset? Qu'est-ce qui arrive dans les versets autour? Ça, c'est l'immédiat. Vous avez beaucoup de personnes très bien disposées qui ouvrent la Bible, prennent un verset, prennent ce verset, puis disent, voyez, quand je lis ce verset, j'ai raison de ne pas aller à l'église. Oui, mais attends, là, lis le verset avant, puis le verset après, puis tu t'aperçois que ce n'est pas ça que ça dit, là. Donc, le contexte immédiat, ne jamais nous arrêter ou jamais vous arrêter à un verset. Prenez le contexte dans lequel il a été écrit. Ensuite, quel est le contexte de ce passage dans la lumière du livre où il a été trouvé? C'est sûr qu'un texte dans Daniel n'a pas la même signification qu'un texte au milieu des rois, premier roi par exemple. Ce n'est pas la même chose. Le contexte n'est pas le même du livre. Ensuite, où ce passage et le livre dans lequel on trouve ce passage a sa place dans le grand dessin de l'histoire de la Bible, okay? De l'histoire historique, de la grande histoire des Saintes Écritures. C'est important. Par exemple, je vais vous prendre, je n'ai pas pris le plus facile, mais enfin bon. Si vous tournez vos Bibles dans Deutéronome, c'est là où il y a un tas de règlements, de lois, de toutes sortes de choses qui se mettent, qu'on nous donne pour vivre. Et si vous prenez Deutéronome 30, si vous avez au niveau de vos Bibles, très souvent dans les Bibles, quand vous l'ouvrez, vous avez en haut un petit titre en petit qui vous dit plus ou moins ce qu'on va trouver dans ce chapitre. Là, on nous dit, on trouve les promesses et les menaces. Et quand on lit ça, bon, ben, y a des promesses. Si tu fais ci, tu vas avoir ça. Si tu fais pas, tu auras ça. Et ainsi de suite. Par exemple, on nous dit au verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Ah bon, ben ça n'a rien à voir avec moi, je ne vais pas entrer en possession du Canada. Hein? Non, il faut prendre ce verset et le mettre dans l'ensemble de l'histoire biblique, le mettre dans le contexte de Deutéronome. N'oubliez pas qu'au moment de Deutéronome, qu'est-ce qui se passe? Le peuple est en train de se diriger vers le pays que Dieu leur a promis. Donc Dieu est en train de leur donner les règles qu'il va falloir suivre. Et il y a des règles là-dedans qui sont importantes pour nous de comprendre et d'apprendre, mais qui, en tant que telles, ne s'appliquent plus aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement important de saisir le contexte et de prendre l'ensemble. Donc, comme je vous disais, Deutéronome 30 doit être lu non pas seulement dans la lumière du reste de Deutéronome, mais dans la lumière d'où il venait, c'est-à-dire dans le Pentateuque et dans la lumière de l'histoire biblique, le peuple qui se déplace pour aller prendre son pays que Dieu lui a donné. C'est comme ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on doit considérer le genre. Le genre, la littérature. À votre avis, est-ce que les Saintes Écritures sont écrites sur le même genre, même littérature de Genèse à Apocalypse? Non. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, si vous lisez Roi, Josué, Esther, c'est quoi comme littérature? Historique, c'est des histoires. Est-ce qu'elles sont importantes pour nous aujourd'hui? Oui, parce qu'elles nous montrent justement, comme pendant la présentation, quand on parlait des rois de Juda et d'Israël et tout ça, à Jérusalem, comment on suit Dieu, puis on laisse, puis on revient. Ça nous montre que même si moi, par exemple, j'ai suivi Dieu, je suis né, je suis 5e génération d'adventistes. Mon arrière-arrière-grand-père a été baptisé par Madame White
c'est le premier adventiste en France. Mais ça ne veut pas dire que Eric, hey, cinquième génération, il est parfait, le gars, là. Il va bien. Eric, il peut très bien lâcher ça demain matin, là, comme tout le monde. Donc, les histoires nous permettent. Pourquoi on nous donne l'histoire du fils prodigue? C'est historique, mais pourquoi? Parce que dans cette histoire, on nous montre que même si on laisse Dieu, qu'on s'éloigne de Dieu, puis qu'on tombe le plus bas possible, parce que pour un juif, garder des cochons, il n'y avait rien de pire que ça, on peut revenir. Donc jamais on ne doit se dire « je suis trop loin de Dieu pour revenir ». C'est à ça que, historique, ça nous sert. Ensuite, vous avez les livres prophétiques. Vous avez les grands et les petits prophètes qui prédisent et qui nous permettent de voir que... j'ai une deuxième étude, je ne sais pas si un jour je reviendrai, mais j'ai une deuxième étude qui s'appelle la parole de Dieu, vraie ou pas. Et on s'aperçoit, en lisant la parole de Dieu, que toutes les prophéties qui avaient été données par les petits ou les grands prophètes se sont réalisées. Donc, si elles se sont réalisées jusqu'à maintenant, pourquoi les dernières ne se réaliseraient pas? Pourquoi tout d'un coup, Dieu aurait permis que pendant plus de 6000 ans, toutes les promesses se réalisent, puis maintenant, en 2020, il dit, bon, on arrête? Exactement, ça n'a pas de sens. Il y a la littérature de la sagesse. Quel est le livre le plus difficile à lire? Ecclésiaste, et puis... Pardon? Oui, Chronique. Oui, mais lui, la sagesse. Cantique des cantiques, les proverbes, c'est long. Hein? Quand on arrive dans ces choses... Lire historique, vous donnez à un de vos enfants... Même s'il a 12, 13, 14 ans, donnez-lui l'histoire des rois avec un roi, deux rois. Hey, c'est le fun, là. Il fait la guerre, il se bat, il gagne, Dieu le bénit, Dieu. C'est super. Donnez-lui à lire Psaume. Il aura lu les 5 premiers versets, puis il va vous rendre la Bible. C'est plate, ça, là. Oui, cela aussi. D'accord? Donc, là, on trouve la littérature de sagesse qui donne des principes généraux, et c'est bien important. Des principes généraux d'attitude, mais qui ne devraient pas être lus comme des promesses qui vont se matérialiser à tout le temps. Ce n'est pas des promesses. Vous savez que dans Psaume, je m'amuse quand je dis que c'est difficile à lire et que ce n'est peut-être pas toujours le fun, mais vous savez que dans Psaume, vous trouvez toutes les situations auxquelles on peut faire face aujourd'hui. À l'intérieur du couple, par rapport à nos enfants, par rapport au travail, par rapport aux relations avec les voisins. Vous avez pratiquement un chapitre dans Psaume qui nous permet de passer à travers n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, personnellement. Si vous avez, ou si nous passons à travers une période difficile, prenez Psaume. Tournez les pages un peu, puis vous allez avoir trouvé un qui va répondre mot à mot à la situation dans laquelle vous vivez. C'est pour ça que Dieu l'a mis là. Pas pour avoir des promesses qui vont se réaliser, mais pour nous permettre d'avoir un changement d'attitude, pour nous permettre de pouvoir voir ça différemment. C'est ce qu'on appelle les livres, la littérature de la sagesse. Et il y a quelques livres, ce sont des lettres qui ont été écrites pour des personnes particulières à un certain temps, mais avec des implications théologiques pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu les a mis là. Et finalement, la littérature apocalyptique, vous avez une section de Daniel, et bien entendu, l'Apocalypse, qui nous révèle, qui va nous décrire ce qui arrive et dans lequel on lit aujourd'hui. Et une des raisons pourquoi la Bible est de plus en plus achetée un peu partout avec cette histoire de pandémie, c'est parce que tout d'un coup, les gens se disent, c'était vrai ou pas vrai la fin du monde? Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Hein? Et on essaye. Donc, même si la Bible est un livre unifié par Dieu, en nous parlant de l'histoire conséquente de la création à la fin du monde,
nous devons lire chacun de ces types de littéraires convenablement pour les comprendre. Nous ne devons pas lire le livre des rois de la même façon que le livre d'Apocalypse. D'accord ? Le livre des rois, c'est historique. Apocalypse, ça nous montre la fin. Daniel, vous avez une partie historique et vous avez une partie apocalyptique aussi, qui nous montre la fin. Ensuite de ça, il faut considérer le sens. Tout passage donné des Saintes Écritures peut avoir seulement un seul sens. Dieu avait un sens précis que l'Esprit Saint a suivi quand il a inspiré les hommes. Quand nous considérons les mots dans un passage, dans leur contexte, dans le type littéraire, donc le genre, et guidés par l'Esprit, nous pouvons découvrir le sens de la parole. Et nous allons nous apercevoir que ce soit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Apocalypse, le sens est le même. Le sens est le même. Dieu avait un seul sens. Maintenant, pendant que quels passages sont plus difficiles, évidemment, à comprendre que d'autres, il y a des passages très simples, d'autres qui sont difficiles, nous croyons dans la clarté des Saintes Écritures. La Bible est suffisamment claire pour nous permettre de comprendre le sens de que Dieu a destiné à ses implications dans nos vies. Une bonne règle dans les passages difficiles, fermer sa Bible puis de la mettre dans un coin, c'est ça? Non. Un passage difficile qu'on ne comprend pas, la meilleure façon, c'est de les interpréter à la lumière de passages faciles. Dieu est sage, d'accord? Dieu, c'est un Dieu d'amour, on parle souvent de son amour, on parle de la façon à laquelle il prend soin de nous, mais c'est un Dieu sage. Il a mis des passages difficiles, mais il a toujours mis lié à ça, quelque part dans la Bible, des passages plus clairs, plus faciles, qui nous permettent de comprendre. Les fondateurs, en 1844, quand ils ont commencé la réforme et qu'ils ont fondé plus ou moins le mouvement en Amérique du Nord pour l'Église et tout, ils ont étudié. Et ils sont tombés sur des passages difficiles. Alors eux, ils l'ont interprété à leur façon. 2300 jours et matins, 1844, ah, ça tombe telle date. À cette journée-là, Dieu va revenir. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pris ces versets difficiles, ces chapitres difficiles, et ils ne les avaient pas regardés avec d'autres, plus simples. Et quand la date est passée, ils se disent, mais il n'est pas revenu, qu'est-ce qu'il fait? Certains ont quitté, malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais d'autres sont retournés. Et en lisant les versets qui sont liés les uns avec les autres, ils se sont aperçus qu'en réalité, à la fin des 2300 jours et matins, on ne nous parle pas du retour, mais on nous parle de Dieu qui rentre dans le sanctuaire. Donc c'est le début. Oh, ben là, ce n'est plus la même chose. Je ne connais pas vos Bibles. Mais moi, j'en ai une ici, dans le centre. Vous avez des versets. Okay, ils appellent ça une Bible avec parallèle. Alors, quand je lis un verset, il y a souvent une petite lettre en minuscule avec un numéro. Et si vous prenez dans le milieu, vous retrouvez dans un autre livre de la Bible le même texte, qui des fois, donné d'une façon différente, nous permet de comprendre ce verset que nous avions un peu de difficulté à saisir au début. Quand on veut étudier la parole, maintenant ça c'est moi personnellement, il n'y a aucun endroit qu'on nous le dit. Moi par exemple, chez moi, j'ai 4 Bibles. J'ai la Louis II, qui est ma Bible, la traduction Louis II. J'en ai une aussi que j'aime, moi j'aime. Je ne l'aime pas pour lire la Bible, mais je l'aime pour comprendre. C'est les traductions nouvelles, dans le français courant. Voilà. Parce que des fois, dans la Bible, il y a des mots français, quand elle a été traduite dans les années 1800, on n'utilisait pas tout à fait le même français qu'aujourd'hui. Fait qu'avec le français courant, ça nous permet de... Ah, ok, je comprends ce qu'il veut dire. Et si on prend Proverbe, si on prend le
Jean 23, puis qu'on lit le texte, puis qu'il nous dit « Je dresse devant toi une table avec ma houlette ». C'est quoi une houlette? C'est un bâton de berger. Ceux qui le savent, ça va, mais ceux qui, tout d'un coup, n'ont pas... C'est quoi? Ben, si vous prenez dans la traduction en français courant, vous allez trouver « mon bâton ». Eh? C'est ce jeu de petites choses. Mais ce n'est pas ma Bible de chevet, parce que j'aime moins une traduction courante et plus difficile. À part ça, j'ai deux autres traductions, ce qui fait que quand on lit un texte, on lit le texte dans Louis II, on va le lire dans une autre traduction, et les mots sont légèrement différents, puis « ah tiens, moi, je n'avais pas saisi ça comme ça okay ». Mais si vous en cherchez une qui est bonne en général, Louis II, c'est une Bible qui a été traduite il y a longtemps et qui a maintenant été, vous avez la version second 21, qui a été traduite directement des textes grecs et hébreux. Elle n'a pas été traduite d'une autre traduction. Elle vient directement de là. C'est pour ça que moi, j'aime bien la lire. Et on retrouve vraiment l'essentiel des idées qui étaient derrière le texte hébreu ou le texte grec. Et après, il faut considérer l'application. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans les Écritures, on a seulement l'application. On a seulement une interprétation, un sens. Dieu a donné un sens. Il n'y a qu'un seul sens. N'allons pas essayer de trouver 25 sens à un verset. Dieu n'a donné qu'un sens à ces versets-là. Par contre, chacun de ces passages peut avoir des applications multiples pour comprendre comment on doit les appliquer dans nos vies. Pourquoi un verset qui a un seul sens, une seule application, interprétation peut avoir plusieurs applications? Parce que, mes amis, on est tous différents ici, là. On est tous différents, on a tous une vie différente, on a tous quelque chose de différent dans nos vies. Et le même verset qui va s'appliquer à moi ne va pas s'appliquer de la même façon à vous. On doit chacun comprendre, interpréter ce verset correctement et après ça, trouver la bonne application dans nos vies. On n'est pas pareil. Ça serait plate si Dieu avait créé, si tous ici, on était tous des Eric, là. C'est pas le fun, hein? On n'aurait plus rien à dire, ouais. Exactement. Mais c'est ça, on est tous différents. On a tous une culture différente, on a tous un background différent. Moi, oui, OK, je suis blanc. Oui, je suis blanc, hein? Mais je ne suis pas québécois. Je suis français. Et en plus d'être français, j'ai quitté la France, j'avais 6 mois. Mon père a été missionnaire, j'ai passé ma vie jusqu'à l'âge de 17 ans en mission dans des pays partout à travers le monde. J'ai fait l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Nouvelle-Zélande. On a fait plein de pays où on était. On a été en Afrique, on a été à Haïti. Je ne suis pas québécois. Je suis marié avec une québécois purlaine, une vraie. Mais les applications, notre background personnel fait que face à certaines situations, on ne réagit pas de la même façon. On a donc besoin d'avoir l'interprétation de ce verset, mais on a besoin que ce verset ait plusieurs applications qui nous permettent, à ma conjointe et moi, de pouvoir trouver ce que nous avons besoin par rapport de la chose où elle vient. Elle vient de l'Église catholique. Ce n'est pas le même chemin que moi qui arrive d'une 5e génération d'adventistes. Comprenez? Lisez-vous simplement la Bible pour comprendre le sens? Ou lisez-vous pour qu'en la comprenant correctement, on puisse y obéir correctement? La question n'est pas, pouvons-nous diviser correctement le mot de la vérité? Donc, pouvons-nous diviser correctement la parole de Dieu? La question est, ferons-nous le travail dur de se présenter nous-mêmes à Dieu comme ceux qui ont été jugés et évalués sans complexe parce que nous avons étudié sa parole correctement, tant dans la compréhension que dans le fait de la partager.
Si mon professeur d'histoire de l'Antiquité s'était présenté devant la Bible avec l'esprit que c'était la parole de Dieu, il aurait continué à être sûrement un des meilleurs, meilleurs professeurs d'histoire de l'Université de Montréal, mais il aurait eu toute une autre vie. En conclusion, notre première compréhension de la parole de Dieu devrait venir après avoir pris conscience de notre propre péché et de notre besoin d'un sauveur. Mes amis, si on se croit parfait, si on se croit sans défaut, si on se croit qu'on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de la lire, la Bible. Le moment où on doit se mettre devant la Bible, c'est parce qu'on est prêt, on a compris, on sait dans l'état de péché dans lequel on est personnellement. Et quand je dis état de péché, je ne veux pas dire qu'on est en bas de la liste, là. On peut être presque parfait, mais on a des péchés. Et notre conscience de notre péché et le besoin d'un sauveur va nous permettre que nous allons lire ce livre, nous allons comprendre le sens de ce livre et nous allons pouvoir l'appliquer dans nos vies. Et une fois que nous l'aurons appliqué dans nos vies, nous pourrons l'enseigner aux autres. N'écoutez pas simplement ce qui vous est enseigné. Retournez et étudiez. Rappelez-vous quand Paul prêchait les Béréens. Quand le culte était fini, tout le monde rentrait chez soi et disait « Wow, Paul a bien parlé aujourd'hui, on va faire ce qu'il a dit. » C'est ça qu'il faisait? Pas vraiment, hein? Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait « Wow, Paul a bien parlé aujourd'hui, mais j'aimerais bien voir si c'est vrai ce qu'il m'a raconté. » Fait qu'aujourd'hui, en sortant, si vous vous dites « Oh, Eric, c'était bien bon, c'était bien le fun, sans chose, là, mais moi, j'aimerais bien savoir si c'est vrai. » Ben, prenez-la, mettez-vous à genoux, priez et lisez-la en sachant que nous avons besoin de notre Sauveur. Et je vais finir. Donc, une fois qu'on l'a étudié, on doit chercher à comprendre la parole de Dieu correctement et la passer fidèlement et docilement. On ne doit pas changer. Moi, j'aimerais bien que Jean devienne chrétien. Ça fait que je vais prendre ce que Dieu dit, mais il y a des petites affaires qu'il n'est pas d'accord, fait que je vais l'arranger. Hein, je vais prendre un virage à droite pour lui présenter la parole, pour qu'il accepte d'être chrétien, mais en réalité, je n'ai pas donné ce que vraiment 100% de ce que Dieu a dit. J'en ai donné que 50 ou 60 ou 70 ou même 99, ce n'est pas bon. Une fois qu'on a étudié, qu'on a pris conscience de notre péché, notre besoin d'un sauveur, nous devons chercher à comprendre la parole de Dieu correctement et à la passer fidèlement et docilement par le pouvoir de son esprit pour sa gloire. John White nous dit dans Step to Christ, vers Jésus, à page 110. Quand la parole de Dieu est ouverte sans révérence et sans prière, quand les pensées et les affections ne sont pas fixées sur Dieu ou, en harmonie avec son désir, l'esprit est assombri par les doutes. Et alors même dans l'étude de la Bible, le scepticisme se fortifie. L'ennemi prend le contrôle de nos pensées et il suggère des interprétations qui ne sont pas correctes. Avons-nous déjà pensé à ça? Que quand on se présente et qu'on lit la Bible et qu'on n'est pas prêt, l'ennemi, lui, il est prêt. Puis il va s'arranger qu'on ait une compréhension de la Bible qui l'arrange à lui. Ceux qui étudient les Saintes Écritures pour trouver des contradictions n'ont pas compris le côté spirituel de la Bible. Avec la vision dénaturée, ils verront beaucoup de causes pour le doute, l'incrédulité dans les choses qui sont si simples. C'est ce que Sir White nous dit. Ça fait que présentons-nous devant la Bible avec révérence et avec prière, avec un cœur ouvert et prêt à comprendre. La Bible va nous percer. Des fois, ça va être doux, mais des fois, ça va nous percer. Il y a des choses qu'on va lire qui vont nous faire mal. Mais soyons prêts comme ça. Je vous demande de vous lever, on va prier.
Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ta parole et tu l'as rendue à la fois simple et compliquée, mais tu l'as faite de façon à ce que chacun d'entre nous, avec simplement l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons la lire et la comprendre. Nous pouvons lire ta parole et te retrouver dedans. Nous pouvons lire ta parole et comprendre ce que tu veux nous enseigner. Nous pouvons lire ta parole et l'appliquer dans nos vies. Et nous pouvons lire la parole et la partager. Seigneur, permets-nous à nous tous ici présents, à nos familles, partout où elles sont, en cette période difficile, que nous puissions nous mettre à genoux, lire ta parole et avancer. Parce que Seigneur, le jour de ton retour est de plus en plus proche. Les événements de ce monde nous le montrent. Et nous voulons tous être présents le jour de ton retour. Nous voulons tous, Seigneur, le jour où tu vas revenir, lever les mains au ciel et crier « Voici mon Dieu !» plutôt que d'aller se cacher derrière les rochers. Seigneur, permets à chacun d'entre nous, à tous ceux qui sont ici présents ce matin dans le centre, il est écrit, de comprendre l'importance d'étudier ta parole, mais de la bonne façon, avec un cœur pur, un esprit ouvert, et de suivre les traces de ce que tu nous as donné, à travers chacun des versets de cette Bible, de Genèse à Apocalypse, te demandant toutes ces grâces au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Asseyons-nous, il y a encore un chant. On vous souhaite un bon sabbat, bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, à 11h. La semaine prochaine, ça va être la dernière sabbat où on va se rencontrer à 11h. On va reprendre l'horaire normal, soit 10h30 à partir du 12 septembre. Donc, que le Seigneur puisse nous conduire dans la vérité. Distanciation.